Ce que je voudrais dans ma vie, c'est m'ouvrir. À quoi? À l'amour, peut-être? Ben oui. Alors, il y a plein de choses à faire en fait. Comme tu es là depuis un mois seulement, tu es toute nouvelle. Comment dire? Comment dire pour les nouveaux, les nouvelles, parce qu'il y en a plein hein, dans cette émission. Quel est le protocole, si je puis dire, quelle est la documentation technique pour entrer dans l'univers Anatman? Okay? Pour entrer dans l'univers dialogue avec l'être, l'odyssée d'Anatman et tout ce qu'on fait sur cette chaîne et les chaînes partenaires. C'est aussi la documentation technique sur comment s'éveiller, hein, comment se désidentifier de l'ego, du jeu, du moi, de la personne. D'accord? Tu me suis jusque-là? Oui. Puisqu'en fait, vous êtes nombreux, nombreuses à être en connexion grâce à YouTube avec cette émission, avec Dialogue avec l'être. Et évidemment, il y a plein de points d'interrogation. C'est quoi ce truc? Il est bizarre. Très bizarre. Je ressens plein de choses dans mon corps. Ça pleure. Il y a de l'amour. Oh là là, c'est tourne-broche. Okay? Et en même temps, il y a un côté super addictif parce que c'est une vibration hyper alignée d'être. Tu vois? Et donc, il y en a plein qui se demandent, mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que l'univers me veut encore? Tu vois? Hein? T'es d'accord avec tout ça? Et du coup, comment bien commencer avec Anatman, dialogue avec l'être? Alors, c'est extrêmement simple. Déjà, qu'est-ce que nous faisons? Hein? C'est ça la question. Eh bien, nous partageons des réalisations et des techniques. C'est juste ça en fait. Des techniques pour s'éveiller, pour se libérer de la matrice, pour sortir du jeu, de l'ego, du moi. Ça va jusque-là? Oui. Donc ça, c'est le yoga à 8h30 tous les matins. C'est j'apprends à m'abandonner au corps physique. Du coup, je suis plus dans la tête. Et puis, je me désidentifie gentiment. Il y a aussi à 15h l'atelier qui s'appelle l'Odyssée d'Anatman, où là, voilà, nous montons en vibration tous les dimanches. Des fois, il y a des surprises comme aujourd'hui. Il y a des vagues d'amour incroyables. Et parce qu'on est nombreux à fusionner ensemble, à mettre toutes nos énergies ensemble, tout notre amour en commun. Et nous sortons de l'identité. L'identité, c'est ton prénom, Jamila, d'accord? Oui. Et nous allons dans ce qui s'appelle l'être, existence, la vie, d'accord? Ça va jusque-là ou c'est un peu compliqué, peut-être? Non, j'ai déjà entendu parler Voilà. de l'éveil. Donc c'est ça qu'on fait et que nous faisons. Et plus vous le faites, plus ça va marcher. Alors pourquoi c'est gratuit? C'est gratuit pour comment dire pour que tout le monde puisse y accéder. Le yoga il est gratuit, la méditation du dimanche est gratuite. Alors tout n'est pas gratuit, les stages ne peuvent pas être gratuits parce qu'il y a les impôts à payer, hein. Il y a 3 000 euros de taxes foncières, notamment, enfin, plus plein de frais, voilà. Donc il y a plein de trucs qui ne sont pas gratuits, qui sont faire des stages ici à Saint-Nexant, en Dordogne. Et quels sont les effets secondaires des stages, des retraites spirituelles? C'est plus d'affirmation de soi, d'accord? Moins de confusion, plus de clarté, plus d'autonomie. Autonomie par rapport au système, à la famille, à toute forme d'autorité. Plus d'autonomie, tu trouves ton autorité à toi, en toi, d'accord? Et l'effet secondaire aussi, c'est l'ouverture du cœur. Et l'effet secondaire de l'effet secondaire, c'est-à-dire l'effet secondaire de l'ouverture du cœur, c'est que vous allez créer et manifester des amoureux et des amoureuses dans votre vie. Ça, c'est vraiment un effet secondaire de nos retraites, puisque on a de l'expérience depuis 5 ans maintenant. Le fait de s'affirmer, troisième chakra, et d'ouvrir le cœur, ça va changer votre vie. Et le moment fort de toutes les semaines, c'est la méditation du dimanche 15h et dialogue avec l'être. C'est la montée vibratoire la plus importante. Après, évidemment, c'est très fort tout ce qu'on fait en stage, hein, il y a plein de témoignages. Mais là, vous êtes au point culminant, en fait. Tous les dimanches, ça culmine, comme une montagne. Et après, ça redescend progressivement. Voilà. C'est comme un cycle, en fait.
Et à force de grimper la montagne tous les dimanches, à un moment, bah, on est très haut maintenant, comme l'Everest, tu vois? Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, ici, c'est pour se désidentifier de l'ego, du jeu, du moi, de la personne, c'est pour s'éveiller et pour créer une vie qui te plaise vraiment. Et pour enlever toute forme de confusion en toi. Et ça va impliquer écouter le corps physique, accepter d'être aimé. Alors, attends, combien de temps il reste? Parce que j'ai plein de trucs à dire sur ton système. Oui, il y a le temps. En fait, donc j'ai juste écouté. J'avais besoin de comprendre, je suis la conscience. Je me suis incarné sur Terre, dans une famille qui m'a, comment dire, castré et limité, conditionné de façon très importante. Ils m'ont fait croire que je n'avais pas de valeur, que je ne méritais pas d'être aimé. Laisse pleurer, une inspiration. 1, 2, 3. Ils m'ont fait croire que je ne valais rien, que je n'avais pas d'importance, que je ne comptais pas. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et tout ça, c'est faux. C'est faux en réalité. Alors tu vas trouver ça bizarre, mais tu es la conscience universelle, tu es ce que je suis, ce que nous sommes tous. Tu es l'amour infini, tu es existence même, tu es la vie. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a un sacré écart entre toutes les couleuvres que j'ai avalées et ce que tu me racontes, quoi. T'es d'accord? Oui. Laisse pleurer. Il y a un écart monstrueux, quoi. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Laisse pleurer. Tu sens l'émotion? Voilà. Laisse. Non. Non, tu sens pas l'émotion? Dis avec Non. moi, parce que ça pleure, hein. Dis avec moi, j'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions. Je me libère de mon blindage. Me libère de mon blindage. Je m'ouvre Je à m'ouvre mes ressentis intérieurs. à mes ressentis intérieurs. J'accepte de pleurer. J'accepte de pleurer. J'accepte d'être. J'accepte d'être. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Je me libère Je me libère de la famille, de la famille, des parents, des parents, de la société, de la société, de tout. de tout. Et je me libère de moi. Et je me libère de moi. Surtout de moi. En fait, Surtout de moi. voilà, le problème, c'est moi, entre guillemets. Le moi, entre guillemets. C'est-à-dire que... À un moment, avec les méditations, vous allez comprendre que le problème, c'est moi. C'est le moi, le je, l'identité, tu vois? C'est vraiment important de comprendre ça parce que la plupart des gens se disent, ouais, le problème, c'est les autres. Bah, au bout de 150 vies, vous allez finir par vous rendre compte que le problème, c'est vous, en fait. Donc, je vous la fais courte, comme ça, vous gagnez 150 vies. Tu comprends ou pas? Oui. Et pourquoi je vous dis le problème, c'est vous ou c'est moi, plutôt? C'est pareil. C'est parce que le moi, il n'a pas été construit par vous. Le moi, c'est un héritage. C'est pas par hasard si c'est le moment de la succession. Qui c'est qui est mort? Mon père. Il reste maman ou pas? Non, elle était décédée avant. Donc, maintenant, il n'y a plus que toi. Et du coup, tu te libères de l'autorité de papa. Donc c'est un moment fort dans ta vie, tu comprends? Oui. Dites avec moi, je me libère maintenant Je me libère maintenant de l'autorité de papa. de l'autorité de papa. Et je crée ma propre autorité. Et je crée ma propre Je autorité. suis reine dans mon royaume. Je suis reine dans mon Je royaume. suis souveraine. Je suis souveraine. Je décide pour moi. Je décide pour moi. Comment tu te sens avec ça? Comme j'ai je me demande si je si l'autorité paternelle n'est pas projetée sur les frères et notamment le frère aîné, parce que c'est son image qui me vient alors que Bien sûr que je oui, bien, tu as tout à fait raison. Il y a un des fils qui va prendre la relève. Ah ben c'est toujours comme ça dans les systèmes patriarcales. Regardez tous les films à la télé avec les rois et les reines. Bah, regardez Gladiator, le film magnifique. Le fils tue le père
et prend le pouvoir. Ben, c'est ça le système patriarcal avec l'identification à l'ego, c'est classique, quoi. Tu vois? Et il va essayer de dominer les autres, il va dire, ben maintenant c'est moi le père, le roi est mort, vive le roi. Tu vois? C'est parce que pendant 2000 ans, nous avons vécu avec les rois et les reines. Tu vois? 1789, Oui. c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Du coup, il y a dans l'inconscient collectif le système patriarcal où toutes les femmes sont soumises au patriarcat. Et en plus, après, il y a le roi. Quand le roi meurt, il y a des fils qui prennent le pouvoir. C'est ça la succession. Tu comprends? Tu Le vois fils ce qui succède au père. tu vois ce qui est en jeu dans ton histoire de succession? C'est beaucoup plus important que la succession. C'est qui va succéder. D'ailleurs, dans succession, il y a le mot succéder. Qui Oui. va succéder à l'autorité patriarcale de papa? Et il y a un des fils qui se révèle. C'est normal. Et s'il y avait une femme, tiens, pour rigoler, comment tu te sens avec cette idée qu'il y a une femme qui prend la relève, histoire de mettre le bazar dans la famille? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant. Une femme qui se révèle. Ah ouais, Voilà. qui se dit, ben voilà, je représente l'autorité de la famille. Ils vont être contents, les garçons. Ça passerait pas, je pense. Mais oui, ben, je vois bien ton système patriarcal dans ta famille, tu comprends? Et pourquoi ça passerait pas? Parce que c'est pas dans la norme. Voilà, parce que c'est patriarcal. Les femmes soumises aux hommes dans toute la famille, tu es d'accord? Tu vois le problème ou pas? Je pense qu'il doit être quand même plus ou moins inconscient. Et d'ailleurs, quand vous regardez les lois en France, la femme a moins de droits que l'homme au niveau de la succession. Vous avez vu ça? Il y a un truc comme ça. C'est terrible. Par rapport aux enfants, etc. La femme, comment dire, de l'homme qui décide, il y a, regardez, c'est pas égalitaire. Hein. Il y a des histoires. Et ça se révèle dans nos lois. Hein. Le système patriarcal est encore aujourd'hui inscrit dans la loi. Tu vois ce que je veux dire? Je n'en sais rien. Bon, bah, renseigne-toi au niveau des successions, tu vas voir. Et oh. Donc, là, ce que je te recommanderais, c'est de faire le yoga, faire les méditations du dimanche, monter en vibration, te désidentifier de Jamila pour sortir du système patriarcal et pour t'émanciper, en fait. Ce qui m'a interpellé, c'est quand tu as dit que Jamila, en fait, le moi n'est pas personnel. Mais ça, c'est autre chose sur un autre sujet. Là, par rapport à toi, la prochaine étape plutôt, c'est que tu comprennes que tu es la conscience et que tu n'es pas Jamila. Et qu'il y a la compréhension que tu es empêtré dans un système patriarcal. En plus, c'est d'origine maghrébin, non, ta Oui. famille? Donc, c'est hyper patriarcal. Okay, déjà, en France, c'est patriarcal, mais là, Maghreb, c'est hyper patriarcal. Quelle origine? Algérienne. Algérienne, ben voilà. Donc, il y a beaucoup de travail, entre guillemets, tu vois? Sur cette croyance liée au patriarcat. Oui, et puis sur la libération de la femme. Est-ce que tu as remarqué que les femmes en France étaient plus libres qu'en Algérie? Ben, en fait, je ne connais pas trop l'Algérie, mais oui, je me doute qu'ils sont plus libres Ah, mais là-bas. En fait, tu es d'origine algérienne, donc tu as tous tes ancêtres et comment dire, ton héritage familial qui est à l'Algérie. Hein. Tu vois, tu ne t'appelles pas Françoise, tu t'appelles Jamila. Hein. C'est pas pareil. Et c'est super d'avoir une... Parce que franchement, la cuisine en Algérie, tout le Maghreb, c'est magnifique. Il n'y a pas que de la cuisine, mais il y a toute une civilisation fantastique. Hein. Avec des êtres qui s'éveillent dans le désert. Enfin, tu vois, tu as un grand héritage. Et l'actualité, c'est de la libération de la femme. C'est ça l'actualité pour le Maghreb. Hein. Ah ouais, c'est un sujet sensible. Là-bas, tu vois. Oui.
En fait, pour les Français et Françaises, c'est important de voir que la France est très en avance par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Inde, par rapport à plein de pays. Hein. Au niveau des droits des femmes, la France, bah, depuis la Révolution de 1789, puis après les deux guerres mondiales où les femmes ont porté la culotte, entre guillemets, ah, mais la France est très en avance. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je ne pourrais pas faire dialogue avec l'être en Algérie. Sébastien, il se ferait tuer assez rapidement, à mon avis, tu vois. Ouais, je ne sais pas, peut-être bien. Oh bah oui, c'est sûr. Mais oui, c'est beaucoup trop, quoi, tu comprends? Oui, je pense. Bah oui, ce qui est dit, les révélations, la liberté. L'effet secondaire du dialogue avec l'être, c'est aussi la libération de la femme, hein. Ah bah oui, et ça, il y a plein de puissances dans le monde qui n'ont pas intérêt à ce que la femme se libère. Qui c'est qui n'a pas intérêt? Bah, tous ceux qui asservissent les femmes. Il y a encore 2 tiers d'hommes à l'Assemblée nationale en France, hein, je vous signale. La parité, elle n'est pas là encore. Et puis, on n'a jamais eu de femme présidente de la République en France. N'est-ce pas? Non. Eh bah ben oui, comment c'est possible un truc comme ça? Pourquoi il n'y aurait pas une fois sur deux? Quand est-ce qu'ils font une loi qui dise tous les 7 ans, ça change? Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Bah oui, ce serait bien. Et Ouais, c'est vrai. 50-50 à l'Assemblée nationale aussi. Une loi qui dise, bah voilà, faut la parité, vous vous démerdez. C'est pour quand ça? Évidemment, pendant qu'on y est, vous rajoutez la méditation dans les écoles, le yoga dans les écoles, cours d'éveil et aussi cours d'amour. Parce que ça, franchement. C'est tellement obsolète cette société. C'est incroyablement obsolète par rapport à notre émission. Et encore, la France est en avance. Donc imaginez les autres pays. En Inde, il y a encore des centaines de millions de femmes qui ne mangent pas avec leur mari et qui servent leur mari à table, quoi. C'est encore comme ça en Inde. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Le seigneur, le patriarcat se fait servir. Tu vois? Oui. C'est important de voir aussi un peu en voyageant un peu partout dans le monde les avantages, les inconvénients de chaque pays, quoi. Tu vois? Toi, tu as l'impression que ça concerne ta vie à toi, mais ça concerne des centaines de millions de femmes ou des milliards même de femmes dans le monde entier. Ton sujet. Et progressivement, grâce à Internet et à toutes les émissions d'éveil, et tout ça, c'est en train de changer. Comment ça change? Bah, c'est facile, il suffit d'écouter l'émission, vous avez une réalisation, ah bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi ça ne serait pas une femme qui décide dans la famille plutôt qu'un homme? Tu vois? Ça remettrait en question l'ordre établi. Eh bien oui, c'est chouette, non? Ouais, je me rends compte que j'y pense jamais. Mais est-ce que tu peux voir que tu as été conditionné à ne pas désobéir? Oula, ça pleure. Ouf, laissez pleurer. Je répète, est-ce que tu peux voir en tant que conscience que Jamila a été conditionnée à obéir? Et que désobéir, faire la révolution, c'est un peu compliqué à cause du conditionnement, tu vois? Tu sens? Ouais, ça pleure. Je sens pas, non. En tout cas, gratitude pour ton passage. Ça fait évoluer beaucoup de structures chez beaucoup de personnes qui nous écoutent. Bah, tant mieux. Quasiment tout le monde a pas, enfin, tout le monde a compris au niveau de l'être. Après, bah, faut laisser intégrer quand même. Oui. Bon, allez, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci. À bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir.